Dimanche 24 mars 2013, se tiendra à Saint-Herblain la course cycliste sur la zone Atlantis. Cette course, nommée Grand Prix de la Ville, est organisée par le club cycliste de Saint-Herblain. L'Union sportive de Saint-Herblain, elle existe depuis les années 1900, on va dire 10 à peu près. C'est la plus vieille association de Saint-Herblain. Et puis actuellement, nous sommes 150 licenciés, répartis sur différentes catégories, des plus jeunes qui ont 9 ans et après jusqu'à 65-70 ans. Cette course, elle va se disputer dans le cadre de l'Atlantis Sport, donc sur le parking d'Atlantis. Et puis là, donc, on attend à peu près une bonne centaine de participants. Et puis ça se déroule sur 95 km, c'est-à-dire 25 tours de 3 km 800. L'arrivée a lieu sur le parking même d'Atlantis. Et nous passons devant tous les magasins. Et puis après, c'est un circuit urbain. Et après, on longe le tramway. Et puis dans la zone industrielle, on revient sur le parking. C'est une course nationale. On a tant des coureurs que de deuxième catégorie, qui ont un bon niveau, qui participent régulièrement à des courses de 100-150 km. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Une course qui s'est débridée complètement, vraiment sur la fin. Et donc, en plus, avec un doublé herbinois, on peut souhaiter que ça se reproduise en 2013. Bienvenue dans la course des grands. Départ à 15h15, juste après les cadets à 14h. Deuxième Nicolas Cocheux. Bravo, messieurs les herbinois.